What? Une question moi, qui me vient de suite quand on écoute votre musique, d'où vous est venue l'idée de faire du blues depuis vos origines? Parce qu'il y a quand même une différence entre votre musique traditionnelle et le blues. Pourquoi avoir choisi cette voie musicale? C'est une variété, quoi. C'est une variété de musique parce que notre musique traditionnelle, elle n'est pas composée de beaucoup de sortes de musique. Mais celle qu'on a, le style qu'on a pris, c'est un mélange de variétés de beaucoup de bonnes musiques, quoi. C'est à savoir les blues, les jazz, les rock, les soukous. Est-ce que vous avez des références qui vous ont parlé avant même de créer votre musique et qui vous ont donné envie de la faire? D'autres musiciens peut-être, ou des gens que vous avez écoutés et dont vous vous inspirez? Ouais, on écoutait beaucoup de musiciens comme l'ancien Farka Touré, les soukous du Congo et la musique malienne aussi. Est-ce que votre musique est populaire dans votre pays? Est-ce que vous êtes populaire dans votre pays? Oui, on est populaire vraiment parce que c'est ce qui a amené même le fait d'être populaire, quoi, parce que c'est une sorte, c'est un autre goût de la musique qu'on donne, quoi. C'est vos origines africaines qui amènent ce côté trance dans votre blues. Il y a vraiment quelque chose qui tourne tout le temps, pas seulement dans le tempo, vraiment même dans la mélodie. Et est-ce que c'est ça votre originalité ou peut-être que je me trompe? Non, c'est pas originalité, mais c'est le fait de travailler sur ces genres de différentes musiques. Et on joue toujours ensemble, comme c'est la famille. Donc toujours, il y a des trucs qui viennent, des nouveaux trucs qui viennent. C'est ce qui a amené à ce qu'on a même changé un peu la musique, quoi. Il y a une paix, même dans votre voix, là, à l'instant, il y a une paix, il y a quelque chose de très reposant. Vous êtes assis sur le tapis. Est-ce que pour vous, chanter la paix est quelque chose d'important, et chanter en paix au fond de vous est quelque chose d'important? Ouais, c'est le message qu'on a toujours l'habitude de passer. On chante beaucoup sur la paix, et parce que c'est ça notre souhait, notre grand souhait à tout le monde. Bah, écoutez, je vous remercie. Et tous les interviews de Chuck se terminent par Chuck Me Five. Alors on est un peu loin, mais je ne voulais pas à distance. Chuck Me Five. What?